Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Vous avez bien dormi, vous avez fait des beaux rêves, hein? Car ce soir c'est Halloween, c'est ça? C'est ce soir que c'est Halloween parce que demain c'est la Toussaint. Donc vous faites ça la veille. Alors, je vous souhaite déjà une très belle fête d'Halloween, hein? Amusez-vous bien, tout ça. Donc, jeudi, hein, et c'est le jour du sketch, du sketch. Alors nous allons sketcher. Je vais donc choisir le thème d'Halloween. Mais j'en ai déjà fait une sur le thème de l'automne. Moi, j'aime bien l'automne, hein. Et donc, avec vous, je vais faire un thème Halloween. Ok? Hein? Alors, donc c'est la. Il n'y a pas d'anniversaire à souhaiter qu'on ne connaisse. Enfin, voilà. C'est la Saint-Quentin, hein? Quentin et cantine. Vous avez mangé à la cantine, non? Quand vous étiez jeune? Est-ce que c'était bon? Est-ce que vous attendiez les frites? Le rab? Hein? Voilà. Alors donc, bonne fête à tous les Quentins et les cantines. Voilà, Quentin rencontre une cantine. Qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de frites, sûrement. De frites, de steak frites. N'importe quoi. Allez, bon, ça suffit. On fait un petit pampan? Allez, on fait un petit pampan. Pour ce faire. Un homme rouspète devant son voisin. J'ai voulu emprunter 200 euros à mon beau-frère, hein, pour payer mon électricité et ce faucheton, il n'a même pas voulu me les prêter, hein. Ah bah tu sais, moi aussi je suis un vrai faucheton. Prêter de l'argent aux gens, c'est chiant. Bah, c'est vrai, non, c'est pas que je suis égoïste, mais bon, moi j'aime pas prêter de l'argent aux gens. Non, j'aime pas. Bah, déjà parce que j'en ai pas. On dit toujours c'est ceux qu'on a le plus, qui en passent le moins et tout ça. Mais quand t'en as pas, t'en as pas, hein. Quand t'en as pas, c'est pas pour ça que t'es un égoïste, hein. C'est bon, quoi. C'est bien beau de juger les gens, hein. C'est ceux qu'on a le plus qui enfilent le moins. Mais le problème, c'est que je pense que ce qu'ils ont, ils l'ont pas volé, déjà, pour commencer. Et puis oui, il y a des injustices, mais il y a des injustices dans tout domaine, hein. Dans tout domaine, hein. Dans la santé, hein, pour commencer, hein. Dans la santé, dans la famille. Il y a des injustices dans tout, hein. Moi, je pense qu'on est un pays où l'argent, c'est un gros problème, hein. C'est un gros problème. Les gens, bon, sont très jaloux, ça c'est sûr, sont très jaloux les uns des autres de ce que possède l'autre et tout ça, hein. Alors, je généralise pas, hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais on est quand même un pays comme ça, hein, où t'as vu la belle voiture qu'il a, comment il a fait pour se la payer, nanani, nanana. Sûrement un crédit. Sûrement un crédit. Non, je veux dire, c'est. Ça, c'est. Bon, enfin, c'est très. C'est un problème sociétal qui me gonfle, moi. Et si on prête pas, si on veut pas prêter d'argent, c'est peut-être qu'on a des petits chiens, des petits chats à faire manger et à soigner au cas où, vous voyez, je veux dire, ou des factures à payer. Hein? Ou à découvert, à essayer de couvrir. Enfin, j'en sais rien, mais enfin, vous avez compris, quoi. Hein? Bon. Alors. Non, moi, si je vois quelqu'un qui a une difficulté, je suis tout à fait capable de lui donner à manger, l'aider comme ça à manger, je sais pas, des trucs qui sont. Voilà. Hein, et puis après, ben, faut essayer de trouver. Démerdez-vous, non, dites-donc. Je suis cruelle. Ouais, dites donc, okay, hein. Bon, alors, non, bon, ouais, s'il fallait vraiment, vraiment, s'il fallait vraiment que je prête des sous. Oh, ben non, je peux pas, je peux pas, je me barre. Hein. Allez, ça suffit les bêtises, ça fait combien de temps? 4 minutes pour dire n'importe quoi comme d'habitude. Allez, on va faire un sketch. Donc là, aujourd'hui, on va faire le sketch d'Agnès. Ah, ça va changer de Catherine. Hein? On n'a rien contre Catherine. Hein? La semaine prochaine, ce sera Catherine. Un jour sur deux, paf, 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 on fera. Hein? On sautera comme des petites puces de Catherine à Agnès, Agnès à Catherine. Hein? Voilà. Alors donc, on va faire celui-ci. Alors, je sais pas si on voit bien, bien, bien. Comme d'habitude, je mettrai la photo sur la communauté. Mais bon, après, voilà, vous pouvez très bien le faire avec moi, hein, ou pas. C'est ça. Et puis, screener l'image, là, tout de suite, là. Vous faites une capture d'écran, hop, hein. Et puis, vous la faites tranquillement, tranquillement. Sans m'écouter, voilà. Allez. Vous faites une photo, vous savez, quand je mets le truc comme ça, pour que vous puissiez non seulement avoir le sketch avec vous
Et en plus, m'écouter et le faire en même temps que moi, mais vous, là, vous faites tout de suite une photo. Hein? Voilà. Vous mettez la photo devant vous et puis vous m'écoutez en même temps. C'est merveilleux. On scrape ensemble, on scrape ensemble. Hein? Voilà. C'est le tuyau du jour. Allez, donc on va faire ça. Alors, je vais faire le thème Halloween. Voilà. Enfin, Halloween. Oui, Halloween. Halloween. Oui. Ici, loose. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Alors, donc, hop. Je vais utiliser ces magnifiques stickers là. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. Ils sont trop beaux. Et alors, il y en avait tellement. J'ai commencé, j'ai regardé, bien sûr. J'ai regardé. Je me suis dit lesquels je vais prendre. Il y a du rose, il y a du bleu. Parce qu'il y a des jolis Halloween. Hein, ton rose, ton bleu. Hein. Alors, le ton, avec le mercure, maintenant, on ne peut plus en manger non plus. On ne peut plus rien faire, quoi. Hein, le ton bleu, c'est les crabes aux pinces bleues aussi. Hein, il y a du crabe, il y a des. C'est la catastrophe, hein. On va tous crever, hein. Bon, ça on le sait, mais bon. Alors, bon, bref, donc du coup, il y a du rouge, hein. Il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du saucisson. Le saucisson non plus, on ne peut plus en manger, il y a des triglycérides, hein. Hein. Cholestérol, toute bastringue, on va caner, hein. De mercure, de cholestérol. Vous savez que Agnès Sorel, elle est morte on lui a retrouvé du mercure dans le sang, Agnès Sorel, hein. Si, la dame de beauté, hein, elle est appelée la dame de beauté, et c'était la maîtresse de Charles VII. Et alors, on a dit qu'elle était morte en couche, hein, c'est-à-dire en accouchant, hein, et en fait, on a retrouvé dans son sang beaucoup de mercure. Elle a été empoisonnée au mercure, la pauvre. Hein. Et ensuite, elle a été enterrée, on a découpé son corps, on a mis la tête à un endroit, le corps à un autre. Enfin, c'est horrible. Elle a eu une fin terrible, terrible. Terrible. Bon, alors donc, bah, c'est Halloween, hein. Fêtons Agnès Sorel, hein. Fêtons Agnès Sorel, fêtons tous les morts, hein. Fêtons tous les morts, tous les morts, tous les morts, hein. Enfin bon, s'ils reviennent dans cet état-là, moi ça fait quand même un peu flipper, autant qu'ils restent où ils sont. Non, mais parce que ça fait quand même peur, hein. Ils reviennent les morts vivants, moi j'aime pas trop, quoi. Je préfère les voir en anges, hein, les anges et tout ça, c'est un peu, hein, c'est macabre, hein. Si en plus, si revenait sous des jolies images d'anges, de trucs comme ça, mais c'est pas le cas, c'est horrible, hein, hein, en squelette et tout le bastringue. Hein. Enfin bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Alors donc, bah, on va faire Halloween horrible et puis c'est tout. Non, moi je vais pas faire Halloween horrible. Je vais prendre ces jolis papiers. Regardez, il y a des jolies feuilles comme ça. Ah, t'es tout mignon. Et puis là, c'est une potion horrible pour empoisonner. C'est du mercure pour empoisonner. Hein, votre mari, s'il est chiant. Hein. Non, je déconne, hein, vous faites pas ça. Hein. Oh là là, non, mais n'importe quoi. Hein, vous faites pas ça. Non, 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 non. Je plaisante, je plaisante. Alors donc, je voudrais pas être une influenceuse. Alors, là, c'est des chutes. C'est parfait. Je vais prendre ça. Les chutes, chutes, chutes. Hein. Parce que j'aime bien ce papier-là. J'en ai beaucoup. Faut que je l'use maintenant. Hein. Je l'ai voulu, je l'ai voulu. Hein. Allez, on va faire une base 10-15. C'est une base 10-15. Alors, il y a le ciel, le soleil et la mer. Non, il y a donc un triangle comme ceci. Il y a des ronds et il y a un tag. Alors, j'ai fait une version automnale que je vous montrerai à la fin. Moi, je vais le triangle là. On pourrait faire plein de choses. On pourrait juste faire de la géométrie en prenant une règle, un crayon, des encres. Et puis, avec du washi, vous posez du washi là, vous colorisez, vous avez une couleur là. Vous faites des ronds, vous les... enfin, on pourrait faire un tas de choses, bien évidemment, c'est comme d'habitude. Moi, là, j'avais décidé de faire une pochette, hein, faire une pochette. Alors, je vais refaire une pochette pour y mettre le tag. Parce que le tag, là, on comprend qu'il est dans une pochette, mais c'est pas obligé. On peut très bien faire coller un bout de papier en triangle là, et puis couper un papier en forme de tag. Veut dire, elle est pas... le tag n'est pas obligé d'être amovible. Hein, ça peut juste être des jolies formes sur une base, hein. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc bon, voilà, moi évidemment, je vais faire une pochette avec un tag et tout ça. Bon, d'accord. Mais c'est pas obligatoire, hein? D'accord. Alors, je vais faire une base 10-15. Bon, bah là, il n'y a rien de sorcier. Donc, je prends ce papier-là toujours pour utiliser déjà d'une part mes chutes. J'ai trois chutes là. Je vais utiliser tout ça, hein? Hier, c'était hier, là, j'ai fait la carte art journal. Elle est très, c'est très joli, c'est très joli. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Hein. Si, c'est vrai en plus, j'aime beaucoup. Allez, 21. Hop. Je me suis bien amusée, quoi, c'est ça. Hein, amusez-vous, amusez-vous. 21 sur 15. Hein, on va faire une base de 10-15, quoi, c'est ça que je veux dire. Vous faites la base que vous voulez, c'est toujours pareil. Hein. Hein, voilà. Hein, franchement, voilà. Et enfin, à 10,5, je plie. Et donc. J'ai failli couper, hein. Et donc là, hop, j'ai ma base. D'accord?
Et bien ensuite là-dessus, je vais faire une base. Alors est-ce que ça va être assez, mes chutes là? Figurez-vous que ça va pas être assez, dites donc. Non, 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 non. Faites voir, ça c'est quoi? Non, ça va pas. Je vais reprendre. Oh, c'est pas grave. C'est du papier très, très facile à utiliser. Donc, je vais prendre une base. Hop. Donc 10, 15. Donc, non, 10. 10 sur 14,5. Un morceau de 10. Hops. 10 sur 14,5. Sur 14, z demi. Hop, c'est parti. Voilà, voilà. Hein, je suis vraiment horrible, hein. Ouais, je sais. Je suis un monstre. Alors, donc, je suis un monstre. Donc, voilà. Là, ça sera... Je vais faire ma création dessus et je collerai tout la fin sur ma... Hein, la fin sur la fin. Allez, je travaille là-dessus. Aïe, j'ai mal. Je souffre. Ensuite, je vais donc faire ce triangle-là. Enfin, je vais faire une pochette. Pour ce faire... Est-ce que là, par contre, je vais prendre une chute. Hein. Vous avez voir ça, c'est bien, ça? Ouais. Je vais prendre cette chute-là, par contre. Hein? Enfin, par contre. Donc, et ma base. Elle est là. Là, je vais faire ça. D'accord? Oh, ben, je vais faire ça. Donc, il nous faut donc une pochette. Je vais prendre celui-là. Est-ce que je mate maintenant? Non, je mate pas maintenant. Si, je mate maintenant. Allez, je mate maintenant. Parce que de toute façon, la chute, je vais l'utiliser. Vous savez, je vais pas gâcher. Donc, déjà, je vais prendre une jolie base, là. Parce que j'ai choisi ces tons un peu mauve, comme par hasard, bien sûr. Non, mais c'est un peu mauve et un peu bleu. Il y a un peu d'orange. Bon, bref, vous voyez, il y a un peu de bleu, il y a un peu d'orange, là, sur le joli papier, là. Il y a des jolies plumes. Il y a du mauve, il y a du bleu, il y a du... Oh, elle est très belle, cette image. Il y en a d'autres, hein, c'est-à-dire. Attendez, je regarde. Oh, ça, c'est beau aussi. Là, c'est des pierres. Et là, il y a une magnifique plume. Là, elle est trop belle. Je pourrais la mettre sur le tag à la fin. On verra. Je pense que je vais la mettre sur le tag. Elle est trop belle. Ou alors la plume bleue sur le tag. Bon, je vais voir. Ça fera un tag, la plume. Qui va bien avec celle-là, là. Oh, c'est trop joli. Je vais faire ça et ça. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Bon, vous avez compris, vous choisissez vos papiers, les papiers de vos rêves. Hein, bon, hein, bon, ça, c'est pas très... C'est pas sorcier, hein, pour Halloween. C'est pas sorcier. Donc, je vais mater avec mon joli papier. Donc, là, je vais essayer qu'on voit un peu la bouteille. Plus la bouteille que la plume. Enfin, on va tout voir, hein, mais... Je vais prendre plus la bouteille que la... Mais si je coupe comme ça, on verra pas, là. Je suis nulle, moi. Alors, je vais la décaler un peu. Je vais faire comme ça, parce que je veux tout. Je vais décaler comme ça. De toute façon, je verrai quand même, puisque je vais utiliser la chute. Ah ouais, mais alors, la chute. Bon, on verra. Parce que la bouteille va être à l'envers, si je prends la chute, là, comme ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, on verra. Allez, on verra. Ah, on verra. On va pas se casser là. Hein, je veux pas me torturer pour un... De toute façon, c'est Halloween. On a le droit de mettre les têtes à l'envers, les plumes à l'envers, les bouteilles à l'envers. On fait ce qu'on veut, hein, Halloween. Il y a des gens, ils y passent... Vous avez vu, il y a des décorations dans des maisons, des machins, des trucs. C'est super formidable. Hein. C'est bien, hein, ce qu'ils font, les gens. Moi, je suis admirative, hein. Ça, c'est comme les gens qui décorent leur maison pour Noël et tout ça. Les extérieurs, j'entends, hein, vous savez. C'est vraiment sublime, hein, ce qu'ils font. Ils sont formidables. Parce qu'il en faut des gens comme ça pour faire rêver les autres. J'adore ces gens qui font rêver les autres. Eh bien, c'est super. Voilà, c'est vraiment formidable. Moi, j'adore. Merci à tous ces gens qui essayent de donner du bonheur aux autres et qui... Voilà, avec eux, voilà, et... Des fois, on fait ce qu'on peut. Je trouve ça formidable. Ouais. Donc, j'ai maté. Tout ça pour ça. Je parle. Mais c'est sûrement très désagréable. Ça me fait penser à une pub, ça, non? Hein? Enfin, bref. Alors, donc, là, je coupe. Hein, vous voyez qu'on peut très bien couper sur la plaque en verre. Hein? Voilà. Voilà. Hop, vous voyez. Je prends même pas de règle. Vous avez vu. Tellement doué. Hein? Alors, donc. Ensuite. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais mater. Oh, en plus, c'est pile poil les dimensions. J'avais pas pensé à ça. Je vais prendre ce papier-là de fond. Ça ne sera pas le tag. Non, ce ne sera pas le tag. Je fais ce que je veux. Alors, là, je mets ça là, de fruits. Hein.
Je colle aussi ce matin. C'est des 10-15, ça. C'est des formats papier 10-15. Il est tellement magnifique, hein. J'allais pas le laisser comme ça, dans un coin, comme ça, là. Hop, hop, hop. On n'allait pas le laisser dormir comme ça jusqu'au prochain Halloween, hein. Hop là, voilà. Donc là, je colle. Alors, on pourrait faire des vous pourriez faire des colorisations. Des... Comme je vous ai dit, hein, faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'utilise ça parce que, voilà, j'ai ça. Puis, c'est tellement joli. Voilà, hein, c'est formidable. Elle est très belle, ma base. Magnifique, magnifique. Sublime, sublime, sublime. Alors, hop là. Parce que j'aurais voulu être un artiste. Je vais mettre vraiment un rat en haut. Ça, parce que je veux pas. Enfin, je veux pas. Non, 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 je ne veux pas. Donc, vous prenez une base 10-15, vous la matez, vous colorisez, vous faites des collages, vous faites un fond avec des stickers. Il y a plein de choses à faire. Hein, la base. Ou alors, vous prenez un papier déco, hein, tout simplement, un papier déjà décoré. Hein. Puis ça y est. Hein. Si tu mets pas de colle, Angélique, ça risque pas de coller. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, elle est un peu plus. J'ai peut-être triché. Enfin, je vais tricher. Comme ma base, là, elle fait un peu. Oh, ça se verra pas, cela dit. Je regarde un truc. Hein. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a un rond, on a ça. Donc, on verra pas. Ouais, donc je laisse comme ça. Ouais, ça me plaira comme ça. Allez, c'est bon. Maintenant que j'ai ma base qui sera comme ça. Là, j'ai mon truc. Là, je vais en faire une pochette. Donc, on a dit. Donc, pour ce faire, eh bien, c'est simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué à faire ça. Je vais le couper en triangle, en forme de triangle, comme c'est sur le skate. En haut à gauche à en bas à droite. Bon, bah là, voilà. Hein. Bon, c'est pour ça que je ne vais pas avoir tout le dé... Ben, c'est pas grave. Hein. J'ai ma bouteille, après, elle va être à l'envers. On s'en fout. On hein, fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Allez, on coupe comme ça. Hop là. Impeccable. C'est superbe. Et ça va être très beau. Parce que ça, j'aurais pu le mettre en dessous, vous voyez. On aurait pu faire comme ça. J'aurais pu très bien faire ça. Hein, vous voyez? Et puis là, la pochette. On peut faire ça aussi si vous voulez. Hein, ça peut, c'est super joli de faire ça. Oh, je vais peut-être faire ça. Oh, ça sera encore plus beau. Je vais voir. Hein, je réfléchis. Comme ça, il y a un matage en dessous. On voit un peu la plume. C'est trop beau. Hein. On peut tellement s'amuser. Bon, alors, ensuite, donc, parce que je voulais faire la pochette comme ça, mais la bouteille à l'envers. Hein, ou alors comme ça. Moi, oh, non. Non, je vais. Hein, bon, j'improvise. Et là, sur le triangle, là, je vais faire un pli. Vous savez, ça fait un L là comme ça. Je vais faire un pli à 1 cm là, un pli à 1 cm là. Voilà. Hein. Rien de foufou. Hop, hop. Un pli à 1 cm là. Voilà. Hop. Et un pli en bas à 1 cm. Hein. Voilà. Hop et hop. Oh mince, j'ai coupé! Oh non, je vous entends rigoler! Oh là 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 là, j'ai coupé! Oh non! Oh non! Oh non! Alors si, vous avez coupé! Hein? Oh là, comment que je suis énervée! Oh là 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 là! Oh là mon Dieu! Alors pour ce faire, alors vous remettez la place. Ah ben non, 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 non. Mais j'ai coupé, ça m'arrive souvent. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis vénère, hein. Ouh là là, je suis vénère. Alors donc, comme je suis vénère, je vais réparer, hein. Je vais mettre un pansement, c'est Halloween. Ouais, bah dites donc, hein. Moi je vais faire ça, puis c'est tout. Non mais dites donc. Alors vous remettez un bout de double face, hein, pas de scotch, hein. Enfin, du scotch. Admettons, vous avez fait comme moi. Mais on disait que vous aviez fait comme moi. Non mais dites donc, hein, soyez solidaires un petit peu, hein. Vous mettez du double face, puis c'est tout. Hein, et puis comme ça fait un pli, hein, c'est pareil. Hein. Ça suffit. Allez, hop. Vous avez fait un pli à 1 cm là, un pli à 1 cm là, puis vous êtes content, hein. Et là, donc, je marque les plis. Hein, et puis là, hein, et puis là, vous coupez, vous biaisez, hein. Biaisez dans tous les coins. Comme ça, là. Hein, hop là. Et là, pouf, pouf. Regardez. C'est bien, hein, formidable. Hein. Et donc, vous dites que vous êtes content, hein. Attention, hein. Donc, on a notre pochette. Et là, je vais couper ce qui dépasse. On découpe, là, pour que ça fasse une jolie forme de triangle. Hein, hop, et hop. Je suis très énervée. Énervé.
Voilà, ah, on est content. Ensuite, ça ne se voit pas. Si je vous l'avais pas dit, vous ne verriez pas que c'est. Non, pas du tout, vous ne le verriez pas du tout. Et là, donc, je mets du double face. Là, je ferme ma sacoche. Enfin, ma sacoche, ma pochette, je veux dire ma sacoche, n'importe quoi. Là, comme ça, regardez, hein, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je t'embrouille, je t'embrouille. Allez, double face. Ça va tenir, hein, de toute façon, attention, ça va très, très tenir, très tenir. Double face comme ça, elle est moins épaisse, celui-là. Alors. Hop, on fait ça là, un bout de double face comme ceci, oui. Un bout de double face comme cela, hein. Amour, hein. Ça va mon amour? Attendez, je reviens et tous, je reviens. Bébé? Oui, mon amour. Oh là là, il tousse de plus en plus, alors ça, c'est très, j'ai très. Bon, bref. Alors, donc, du double face comme ça, et puis là, je vais mettre donc ma pochette sur ma base. Ok? Enfin, ok. J'aime bien quand je vous dis ok. Hein, vous dites que vous êtes ok. Hein, elle fait ce qu'elle veut, de toute façon, NG, c'est vrai en plus. Alors, elle coupe au lieu de plier. Enfin bon, elle fait n'importe quoi. Allez, là, je pose ma base. Et voilà. Alors, les proportions sont pas toutes. Ça va pas jusqu'en. On s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche. Hein, je fais ce que je veux. Non, mais... Voilà. Et donc, là, on a ça. On a une pochette pour mettre le futur tag. Et puis, je vais sûrement. Donc, du coup. Ah, ben, ça sera encore mieux parce que finalement. Je vais mettre ma base là pour décorer, pour avoir le décor, pour retrouver la bouteille debout. Ou alors, je le mets pour l'intérieur. J'en sais rien. Attendez, je ne sais pas. Ou alors, je décore l'intérieur de ma carte. Je vais décorer l'intérieur de ma carte. Ce sera très beau. Ouais. Je vais respecter parce que... Ouais, je vais... Allez. Ouais, vous avez compris, quoi. C'est pas facile. Hein. Donc, on a les plumes. C'est très beau, hein. Les plumes là, hein. Et ensuite, il nous faut un tag. Alors, on commence par quoi? Par les ronds, par le tag? On va commencer par are. Est-ce que je fais du vintage ou est-ce que je fais un peu de mauve, hein, ou du bleu? Je voulais mettre une touche de mauve. Hein. Faites voir les. Faites voir. Montrez-moi. Faites voir. C'est quoi? J'ai choisi un peu de mauve. Ça va être mauve bleu. Ça va être trop beau. Hein. Ouais, je vais mettre une touche de mauve. Ah, hein. Oh, si. Hein. Allez, hop. Donc, du coup, je vais faire des ronds. Alors, les ronds sur lesquels je vais coller des stickers. Ok? Parce qu'il nous faut des ronds là. Il en faut combien? 5. Il faut 5 ronds là. Et la dimension, c'est à peu près la perforatrice là. Mais j'ai pensé hier quand j'ai fait ma carte d'art journal là, vous savez, hein? Vous dites que vous savez. Eh bien, j'ai utilisé, vous savez, les trucs de planète là. Chic planète, hein? Chic planète. Et alors, vous savez qu'après, quand on a plus les die-cuts, ça sert de pochoir ça. Ça peut servir de pochoir. Alors, voyez, voilà mon idée. Je vais faire des. C'est quel. Le format de rond là, c'est quoi? C'est trop petit ça? Il n'y a pas plus grand là? Ah, ça c'est bien. Voilà, ça, c'est celui-là là. Celui-là là. C'est la grandeur de là. Vous voulez que je vous donne la taille du cercle à peu près? Enfin, c'est pas du à peu près, hein, c'est de ce que je vais utiliser moi. C'est l'hymen. C'est l'hymen. C'est l'hymen. 2,5. De diamètre 2,5. Vous savez, il y a des chansons coquines. Hein? Je sais pas si les gens ils comprennent toutes les. Hein? Si on comprend toutes les paroles tout de suite, j'entends. Hein? Parce que c'est l'hymen, vous avez compris? C'est l'hymen. C'était des chansons. Hein? C'est comme Annie aime les sucettes. Hein? C'était quand même. Hein? Hein? Enfin, bon, bref, hein? Ils font ce qu'ils veulent. Hein? Parce qu'avant de comprendre, ben on ne comprend pas tout. Allez, donc là, moi, je vais poser mon cercle là, mon pochoir. Et là, je vais faire des bases. Je vais prendre des angles de chez Action, là. Hein. En ce moment, j'utilise... Et je vais prendre cette couleur un peu mauve clair, plutôt. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Et là, hop, je vais faire des bases de rond, comme ça. Un petit peu coloré, comme ça. Mais pas violent, hein. Regardez, c'est beau, hein. C'est très beau. Je fais de voir la couleur par rapport au truc là. Oh ouais, ça va être trop. Mais on les verra pas beaucoup, hein, les poils de. Hein, on va pas les voir très très beaucoup. On va pas les voir très très beaucoup. Donc ce qu'on fait, on colorise comme ça et hop, pouf.
Et hop, pouf, on découpe en même temps. Hein, regardez, hop, voilà, hop, voilà, hein, on fait du tiron, les couleurs que l'on veut. Hein, la couleur de nos rêves. J'irai au fin de mes rêves. Est-ce que j'en fais des noirs? J'en sais rien. Non, je ne vais pas en faire des noirs. Il est où mon pochoir? Hein, je vais en faire une mauve comme ça, là. Ouais, c'est pareil, c'est la même couleur. Hein. C'est pas, il n'y a pas une grosse différence. C'est très beau, hein. Ça fait très beau. Hein. Voilà, on disait qu'on faisait ça. Hein. Ouais, ça fait pas une grosse différence. Hein. Je vais faire toutes les mêmes. Hein. On va pas se prendre la tête. Hein. Toc. J'irai au bout de mes rêves. Je veux dire, vous pourriez faire les ronds directement sur votre base de cartes, hein, sans les découper. Hein. On peut faire ça aussi. Hein. C'est pas obligé de faire des die cuts là, parce que je vais faire des die cuts là, mais c'est. Hein, on n'est pas obligé. Hein. Vous dites, on peut faire des formes comme ça sur la base de cartes, un triangle. Hein, vous avez compris, hein, bien sûr. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Trois, il m'en faut encore deux. Hein. Il m'en faut encore deux. On va en faire deux. Ah, viens ici, toi. Je me mets à ras, la ras, la ras, la ras, à ras, la ras, la ras, la ras. La ras. Je suis la roqueuse de diamants au fond du cuir noir de mon gant. Je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants au fond du cuir noir de mon gant. Je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants, je suis la roqueuse de diamants. Bon, alors, je sais pas si je suis la roqueuse de diamants, mais là, les gants brillent. Allez, hop, et hop. Allez, c'est bon. J'ai cinq cercles là, je suis très heureuse. Cinq cercles un peu mauves, mais pas trop foncés, mais pas trop clairs, mais pas trop. De toute façon, on s'en fout, on les verra plus. On verra pas trop la couleur, c'est juste pour que ce soit pas trop. Ouais, enfin bon. Hop là, c'est juste pour. Ça fait très beau ça pour une base de cartes après. Hein. On pose ça sur une carte, puis là à l'intérieur on met des boutons, des fleurs, des petits trucs comme ça. C'est super sympa pour faire des. Voilà, hein, vous en mettez des embellissements comme ça en plein milieu. Et puis là un joli feuillage, et puis là des fleurs, pouf pouf, et ça fait très joli. Ça fait très beau. Pour utiliser les chutes, c'est une façon d'utiliser les chutes. Allez, donc. Donc, ça va mon amour? Je vais faire ça, moi. Hop, j'encre les bords comme ça, vite fait, vite fait, vite fait. Je vais en avoir encore plein les doigts. J'ai mis le vernis couleur de l'encre, comme ça se voit moins. Je m'en fous partout. C'est une technique, hein. Je pourrais très très bien me vernir les ongles, là, mes doigts. On peut, hein. On peut faire tout ce qu'on veut, hein. Non mais dites donc. Allez, ensuite je choisis des stickers. Alors, je mets une tête de mort. Hein, je mets une tête de mort. Je mets tout ce que je veux. Mon pic, pic et collégramme. Allez, un pic. Une tête de mort. On met des trucs d'Halloween, on met des trucs d'Halloween, hein, non mais dites donc. Voilà, une tête de mort, c'est tellement chouette, hein. C'est bien Halloween, c'est bien. Une tête de mort sur celui-là. Ensuite, sur celui-là, on met un champignon, tout vénéneux, tout pourri. Allez, un champignon là. Parce que la mort, Halloween, je veux dire, c'est une vision assez horrible, hein. Hein. Moi qui croyais qu'on était des anges, des machins, des trucs, bah dites donc, hein. Ah, ça fout vraiment les jetons de claquer, hein, je vous le dis, moi. Entre hier qu'on voit ceux qu'on n'aimait pas, et puis aujourd'hui qu'on revient en mort-vivant et tout le bastringue, merci, hein. Oh ben non, hein. Oh, ben, ça donne vraiment pas envie, hein. Enfin bon. Deux, ensuite, un papillon, bien sûr, hein. Moi, je reviendrai en papillon. Je reviendrai en papillon, je reviendrai en papillon. Et hein, ils sont tellement beaux, ces stickers, hein. Peut-être que je vais lui arracher des ailes au papillon. Ah oh, bah écoutez, tant pis. Parce qu'après, je vais découper tout ce qui déborde. Hein. Merci. Je vais mettre un papillon là. Ça fait trois. Un oiseau là. Il y a un oiseau là. Un oiseau de mauvais augure. Allez, un oiseau là. C'est comme il y a des plumes, il y a forcément un oiseau. Merci.
Ça va avec. Et je vais. Est-ce que j'y coupe les papattes ou est-ce que j'y coupe les ailes? Je vais... Oh, c'est Halloween, c'est Halloween. Ah non, moi, je vais rien y couper, dis donc. Il a de la chance. Hein. Non, il tient dessus, dis donc. Il a eu peur. Par contre, la chauve-souris, je mets une chauve-souris. Hein. La chauve-souris, par contre, là, je vais y couper quelque chose. Hein. Allez, hop, viens ici, toi, chauve-souris. Chauve qui peut, chauve qui peut. Hein. Oh, mais dis donc, viens ici, toi. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Hein. Je vais mettre le corps et puis je couperai les ailes. Voilà. Hop là! C'est magnifique, elles sont superbes. Non, je vais y plier les ailes. Hein, regardez, j'y plie les ailes. Regardez, elle est magnifique. Elle est très belle. Hein. Ça l'empêche pas de voler s'il reste des bouts d'ailes. Ça suffit, un bout d'aile. Hein. Donc là, c'est bon. J'ai pris 5 stickers. Vous avez compris? J'en ai pour l'éternité. Je l'emmènerai avec moi là-haut. Je l'emmènerai avec moi là-haut. J'emmènerai mon scrap. Sinon, oh, j'ai peur de m'emmerder là-haut. J'ai peur. Non, parce que. Oh, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font? Je suis sûre qu'ils se font chier. Hein. Hein? Voilà, je sais rien, je sais pas. Ah, je sais pas ce qu'ils font, mais alors, pff, moi j'ai peur. Hein. Y a rien là où il n'y a pas de scrap, il n'y a pas de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas y aller. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Hein. Alors, donc, on fait ça. Il est où ma carte? Il est où mon carte? Elle est là. C'est moche mauve avec. C'est très moche mauve. Oh là, c'est horrible. C'est très moche. C'est très moche, hein. Ça va pas du tout le mauve avec. Non, ça ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, hein. Non, c'est affreux. Ah non, ah non. Non, bon, enfin, je ne sais pas. Attendez, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être parce que tout de suite, là, comme ça, comme j'ai pas fini. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui. C'est pas fini alors, c'est sûr. Hein? Ouais. Je suis pas très emballée, mais viens de voir. Ouais, j'ai quand même le droit de réfléchir. Attention, hein? Attention, attention. Alors, parce que si je mettais plus des stickers bleus sans faire de fond comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en pensez que vous savez pas trop, hein? Non, vous savez pas trop ce qu'il faut faire. Tiens, ceux-là, les bleus là. J'ai changé d'avis. Ah ben j'ai le droit de changer d'avis, non mais dites donc. Donc. Je vais les garder, je les mettrai en cadeau comme ça dans une pochette. Ou je les mettrai. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, attendez. Hein. Je refais 5 ronds comme ça dans le papier. Tout à fait ordinaire, sans mettre rien du tout. Sans coloriser. 1. Oh, il y a du mauve dessus. C'est normal, il y a du mauve plein les doigts. Alors, 1. 2. 3. Moins. 3. 3, 4 et 5. Et 5. Hop là. Hop là. Voilà. Hein? On va faire ça. Je vais faire autrement. Parce que ça me. Le mauve là. Ah bah des fois le mauve, hein, ça va pas avec tout. Hein? J'ai envie de mettre plutôt du bleu. Alors je recommence. Et je vais faire plutôt vintage. Ouais. Je vais faire ça. Il y a un chat noir là qui est trop magnifique. Viens ici, toi, petit chat noir. J'adore les chats noirs. On dirait des panthères. C'est beau. Allez, petit chat. Hop là. Ah oui, mais j'y coupe la tête, là. Il n'a plus de tête, hein. Un chat. Non, je vais quand même y laisser la tête. Hein. Je vais y couper la queue. Oh, mais écoutez, c'est quand même pas ma faute s'il rentre pas sur les stickers. Hein. Dites donc. Hein. Je peux rien, moi. Allez, un chat noir. Ah, c'est quand même vachement mieux. Hein. Si, si, c'est vachement mieux ça. Ensuite, la chauve-souris, ça, j'y tiens. Hein. J'aime bien parce que je prends un pic et je m'en sers pas. La chauve-souris. Voilà, très très bien, magnifique. Ah ouais, c'est quand même mieux, moi je trouve. La tête de mort, je veux un oiseau. Un oiseau pour les plumes. Tiens, celui-là, là, il est trop beau en plus, le corbeau là. C'est le corbeau et le renard. Hein. Le corbeau et le renard. Alors, le corbeau comme ceci. Hop. Voilà, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Une tête de mort. Un chat. Une chauve-souris. Un oiseau. Il y a quoi d'autre? Une tête de mort. Je vais mettre une tête de mort. Ouais. Elle est belle celle-là. Avec le chapeau, là. Elle est magnifique. Mais elle tient pas sur la. Elle tient pas sur le petit rond. Hein. On va regarder. Ici, ça va.
Hop là, tête de mort. Magnifique tête de mort. Ouais, super. Et enfin, un autre truc. On va mettre une citrouille là. Ça, c'est une citrouille. Ça, c'est une citrouille. Allez, une citrouille. Hop là, voilà. Très, très magnifique. Hein. Avec, dans un livre en plus. On aime bien ça. Voilà. Ouais, je trouve que c'est mieux. Enfin, ça me plaît plus. Allez. Donc, maintenant. Maintenant, que vais-je faire? Donc, je découpe ce qui dépasse. Hein. Voilà, comme ceci. Très, très bien. Alors, le chat. Si toi. Hop là. Hop là. Oh, ces yeux qui me dévorent. Ça fait peur, hein. Ce dialogue, ça fait très peur. La rage au vent, la colère est palpable, glissante et la pente. Oh, ces yeux qui me... Quand plus rien ne va, moi je sais très bien comment ça finira. Mais qui de nous fera le premier pas? Parfois j'ai peur de nous quand on est voici bas. Quand t'as rien, enflamme tout. Me, myself, par-dessus tout. On ne lâche pas, lâche pas, lâche pas. Y'a comme une étincelle dans le ciel ce soir. Je sens trembler la terre, l'apocalypse est ce soir. Ensemble, parti pour la guerre, parti pour la guerre. On devrait prendre le temps de se calmer. On devrait prendre le temps de se calmer. Prendre le temps d'aller prendre l'air, d'aller prendre l'air. On devrait prendre le temps de se calmer. Y a comme une étincelle dans le ciel ce soir. Je sens trembler la terre, l'apocalypse est ce soir. Allez, je vais faire ça. Je vais mettre le chat par terre. Enfin, le chat par terre. Le chat ici. Oh là, ça va être trop mignon finalement. Ouais. Bon, c'est Halloween, hein. C'est pas un thème que... Je préfère l'automne, hein, je vous le dis tout de suite. pour faire des cartes, quoi, j'entends. Alors donc, ensuite... Hein, ou alors là, Halloween, mais dans un bel album ou un beau junk. Donc, combien de temps il est tout ça, hein. C'est une catastrophe. Je vais faire du vintage, hein. Je vais vintager tout ça. Ouais, ouais, je vais faire ça. Et la plume, là, je vais la mettre sur le tag. Comme ça sera dans les couleurs vintage. Allez! Pour ce faire, j'ai fait mes ronds. Oui, j'ai mis un certain temps. Je le reconnais. C'est pas facile. C'est pas très facile. Mais c'est une façon d'utiliser les stickers. Alors là, j'ai utilisé les stickers du bouquin là, qui sont ils sont très beaux. Hein. Vous pouvez utiliser... Dans l'autre, j'ai utilisé des stickers des bouquins de chez Action. Hein. J'ai les stickers... Vous savez, on a utilisé aussi récemment pour faire je sais plus quoi. Je sais plus, hein. J'essaye d'utiliser ben, les trucs qu'on achète, hein, parce que hein, sinon... Ah, ça va être super joli, ça va être super sympa finalement. Ça va être beau là. Non, parce que le mauve là, ça me... Ah, il y avait pas de mauve dans le papier là, je trouve que ça... Il y avait plus de bleu. Mais le bleu et mauve, ça va très bien ensemble, mais là, ça n'allait pas ce que j'avais fait le fond. Voilà. Voilà, ça va être super sympa. J'aime beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait là maintenant. Alors, je vais les mettre en 3D. Hop, 3. Alors, je pourrais très bien les coller direct, hein, mais je vais faire plutôt des pastilles en... Je vais voir si je les colorise en vintage, là. Je suis sûre que ça va aller mieux. Les petits mauves que j'ai fait là. Ça se trouve, ça va être plus joli, puis ça se trouve, je vais choisir ceux-là. C'est moi. Je suis pénible, hein. Mais j'ai le droit d'être pénible. Ah bah ouais, c'est pas mal du tout maintenant. Ah, c'est bien maintenant. On verra, on verra. Ah, on verra, on verra. Je mettrai peut-être à l'intérieur pour décorer, vous savez. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pendant que je suis dans le vintage, je suis dans le vintage. Hein. Allez, hop. Voilà, c'est pas mal. La tête de mort. Ouais. Pas mal du tout. Allez. Comme ça, je pourrais les utiliser pour en faire une autre. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, j'encre le reste là aussi. Hop, donc j'y suis.
J'aime bien le vintage. J'aime bien. Je ancre le bord de là de mon triangle. On pourrait faire une bordure dentelle ou tout ça, hein. On pourrait, hein. On pourrait, si vous faites un style un peu shabby ou un truc comme ça, pourquoi pas. Voilà. C'est joli, hein. C'est très beau. Donc, je vais continuer par... qu'est-ce qu'on a à faire, là? Le tag, et puis après, c'est fini. Donc là, moi, je vais mettre... Ah ouais, je vais mettre un sentiment aussi, là. Mais je vais le faire moi-même. Là, je vais mettre en 3D tout ça. Pour ce faire, est-ce que je prends des pastilles toutes prêtes? Ça va me gagner du temps parce que, hein, moi c'est ça, à force de parler. Hein. Oui, je sais. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Oui, je parle trop, je parle du soir au matin. Les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Je fais du bla bla bla. C'est mon défaut. Tout, tout, tout. Regardez, regardez là, ce que j'ai fait là. Parce qu'il faut quand même que je vous explique. Vous voyez l'oiseau là et la plume? Vous trouvez pas que c'est magnifique? Hein? Il faut raconter des histoires. On disait que c'était la plume du corbeau. Hein. Alors, j'adore. Et comme on raconte des histoires, donc nous avons le corbeau tout en haut. Hein, et ça, c'est sa plume. C'était comment la chanson, là? Au Pierrot, au clair de la lune. Ah oui. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Ça, c'est une chanson d'Halloween, hein? Ah, si, si, c'est une chanson d'Halloween, hein? Mon ami Pierrot. Il est là-haut, tout là-haut, là-haut, hein, mon ami Pierrot. Alors donc, prête-moi ta plume. Au clair de la lune, mon ami corbeau, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Et en bas, qu'est-ce qu'on met? Le chat, parce que le chat, ils adorent les oiseaux. Hein? Si, c'est bien connu ça. Le chat aime les oiseaux, le chat il aime les oiseaux, il veut bien les manger, croquer leur petite tête. Le chat aime les oiseaux, oh oh oh, il aime les oiseaux. Le chat aime les oiseaux, il aime bien manger, manger, il aime bien manger, il aime bien manger les oiseaux. Le petit tétanine. Regardez comme c'est beau, hein, c'est joli, hein. Donc là le chat, l'oiseau. Un petit chat, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le tag. Alors, pour faire le tag, je dois bien avoir une chute qui traîne par là. Si, si. Faites voir si je peux utiliser la chute que j'ai là, là. Noir. Je regarde un truc. Ouais, c'est une forme un peu bizarre aussi, non? Non, je vais mettre à l'intérieur de ma carte. Alors, je vais prendre cette jolie plume-là. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ouais, je vais prendre celle-là. Allez, je prends cette jolie plume. Et je vais faire mon tag là-dessus. Alors, pour ce faire, on va faire quelque chose d'over simple. C'est-à-dire, je vais déjà coller mon image sur ma page, là, comme ça. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Pour ce faire, de la cocolle. De la cocolle. Et nous, ma cocolle. Cocolle. Allez, là. Je vais prendre de la cocolle, comme ceci. Viens là toi. Ouais, je vais cocoller, vais cocoller. Hop, là, comme ça jusqu'à là. Je regarde, je mets la feuille là. C'est pour savoir jusqu'où je mets de la colle. C'est une ruse. Vous avez compris? Je mets la feuille à côté, comme ça je sais la hauteur. J'en mets bien dans les coins parce que quand je fais comme ça un peu, je mets pas assez de colle dans les coins. Hein. Alors donc, hop, et là je récupère. Je vais mettre là la plume. De toute façon, je m'en fiche, je vais couper juste ce qui m'intéresse, mais c'est pour pas trop. Ouais, je vais tout prendre. Allez, je vais faire ça. Hop, hop. Comme ça, hop. Voilà, très très bien, magnifique. C'est très beau, très très beau. Hop. Il va être beau mon tag. Hein. Voilà. Ensuite, on fait un tag. Alors la largeur, là, je ne vais pas trop m'occuper. Si je vous dis la largeur du tag qui est là sur le machin, c'est 4. 4. Noir. Ouais, ouais, ouais. 4. Alors, moi, je suis désolée, je vais prendre 5. Je t'ai fait le droit, je fais ce que je veux. Je vais prendre 5 cm. C'est ce que je veux.
5 cm. Allez, on fait exactement ce qui nous intéresse. Donc là, je vais retirer un maximum du côté là. Alors attendez, je coupe là pour ne pas gâcher. Hop là, je ne veux pas gâcher le papier là quand même. Alors, j'ai dit quoi? Là, je coupe un tout petit peu par contre, pour avoir le maximum de plumes, j'ai dit. Hein. Hop, voilà, ça je peux le garder à l'intérieur. C'est très beau, hein. C'est vraiment joli, hein, ce papier. Hein. Ah, magnifique. Et donc, j'ai dit combien? J'ai dit que je prenais 5 pour avoir la plume en entier. Voilà, voilà. J'ai le droit, non, mais dites donc, si j'ai envie d'avoir ma plume en entier, regardez comme elle est trop belle. Hein. Et là, je vais garder mes chutes pour décorer ma carte. La hauteur, je vais retirer, je regarde, ah mais regardez, je vais garder toute la hauteur, je t'ai fait le droit. Alors, donc, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant je vais faire les coins, là, coin, coin, je suis, ouais, je sais, je suis timbrée, elle m'a dit ça, hein, ma binôme, elle m'a dit que j'étais timbrée, je suis pas très contente, hein. Non, comment ça, je suis timbrée? Non, attention, hein. Alors, donc voilà, hop, original, hein, atypique, mais timbré, c'est quand même, c'est très dur, très dur, hein. C'est pas très contente, Véro, hein. C'est pas très contente. Allez, donc, ensuite, on prend un ciseau, on coupe un coin comme ça, un coin, voilà, hop, un coin comme, on fait la coupe que l'on veut, bien sûr. On prend ce qu'on vient de couper, on le met de l'autre côté à l'envers. Vous savez, je vous ai déjà montré plein de fois. Pour... Ça, c'est pour, évidemment, les, hein, c'est pour les toutes débutantes, là. Hein? Regardez. Hein? Et hop, là, on a exactement la même... Voilà, on a le même... C'est magnifique, c'est superbe. Il est superbe, mon tac. Avec cette magnifique plume, là. Hein? Magnifique, magnifique. Donc là, hop. Je sais ce que je vais faire. Je voulais écrire. Je ne t'écrirai plus. Je vais mettre un comment dirais-je, un trou là. On fait un trou. Un gros trou, un petit trou. On fait quoi comme trou? Un trou quoi. Un trou trou. Un petit trou, des petits trous, toujours des petits trous. Un trou comme ça, enfin un trou quoi. Hein? On pourrait mettre un joli œillet. On pourrait faire tout un tas de trucs, bien évidemment, comme d'hab. Hein? Regardez comme c'est trop magnifique. Hein? Et là, on a toujours la plume qui correspond à l'oiseau. C'est très beau, hein. Très, très magnifique. Hein. C'est d'une beauté sans pareil, hein. Sans pareil, sans pareil. Là, je vais mettre du ruban, bien sûr. Très... Ça, c'est mon téléphone qui sonne. Il sonne de partout, le téléphone. Hein. Pourtant, c'est bizarre, j'ai pas d'amis. C'est les publicités. Je vais mettre de la dentelle. J'ai envie de faire quelque chose de très... Je voulais faire quelque chose de très sanguinaire. Comme là, vous voyez, c'était rouge. Je voulais faire quelque chose de très sanguin, avec un vampire, un truc comme ça. Mais, ouais, après, on peut tellement faire de choses, c'est dur de choisir, hein. Bon, moi, je trouve que c'est très dur de choisir. Très, très, très dur. Tiens, un bout de dentelle, là, comme ça, c'est très beau, c'est une chute. C'est des chutes de dentelle, regardez. Ça va bien avec le... Ça va bien, moi, j'adore. Oh, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Mais c'est beau, mais c'est beau. Je fais quoi? Je le mets en double comme ça, je fais un nœud? Ou je mets en... Je sais pas. On peut, il y a plusieurs façons, on peut mettre une agrafe comme ça. Ça fait très Halloween, une agrafe. Moi, je vais mettre ça. Parce que, je sais pas, j'ai pris une chute là, mais je sais pas si elle est assez grande. S'il est assez grand. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre comme ça. C'est une petite chutette. Voilà, je vais faire comme ça et comme ça. Voilà, ça sera très beau. Superbe. Voilà, génial. Voilà, oh, j'adore. Une petite chute que je tire comme ça, je veux que ce soit un peu... Voilà, très très beau. Magnifique. Voilà, hein, on a un petit peu de dentelle comme ça, ça adoucit tout ça. Hein. Et alors, là il y a un carré, j'ai oublié, enfin un carré non, un carré rectangle, c'est un rectangle. Hein. J'ai oublié. Alors, ben, c'est pas grave, hein. Je vais mettre un bout de chute là, justement. Je vais le prendre dans ma chute, hein. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ou alors là-dedans, faites voir c'est quoi comme largeur. Ah, ça correspond la largeur là. Ouais, ça correspond. Je vais faire ça. Je vais prendre mes chutes. Ouais, je vais faire ça. Allez, hop, je prends ma chute là. Je prends ma chute et là, je vais mettre du double face. Je vous explique parce que regardez, il y a du matage qui dépasse, ok, hein. Alors, je pourrais le couper et le foutre à la poubelle, mais je ne vais pas faire ça du tout. Je vais rassembler ça et ça. Donc, vous voyez, je rassemble. Rassemblons. Et donc là,
Je vais mettre un bout de double face comme ceci. Elle est magnifique, ma carte. Elle est trop belle. Hein. En fait, je préfère toujours ce que je fais avec vous. C'est drôle. Hein. Non, c'est pas, je veux dire, c'est vrai en plus. Je préfère toujours, toujours ce que je fais avec vous. Pourtant, j'étais contente de ma carte. Hein. J'étais super contente de ma carte thème automne. Mais là, je préfère celle-là. Je préfère celle-là parce que vous êtes là, vous m'inspirez, vous me donnez de la force. Et alors, c'est formidable. Allez, donc là, je rajoute, je rallonge ma chute, là, comme ça. Ouais. Hop là, voilà. Voilà. C'est ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Vous ne savez pas que je fais un raccord, là. Du tout, du tout, du tout. Vous n'avez rien vu du tout, rien vu du tout. Et là, je vais faire un rectangle pour y mettre mon sentiment, vous voyez, hein, regardez. Hein. Alors, donc, je vais mettre ça, là, pour protéger. Voilà, en attendant, je remets le collant, là, c'est parce que comme j'ai fait un raccord, il faut comprendre ce que j'ai fait. Hein. C'est pas très... Et là, le rectangle, il fait combien? Il fait à peu près, bon, il fait 3, 3,5, 3,5, 3, 3,5 sur 5. Ouais, bon, je vais faire ce que je veux. Hein. je vais faire... Il y a de la plume là, c'est quoi ça? Hein, dessus là. C'est très beau, il y a un bout de plume là. J'adore, c'est très beau. Je vais prendre ce morceau là. Allez, hop. Donc on a dit 3,5. Donc ça va faire ça bien propre, bien machin. Hop, 3,5. Hop, impeccable. Sur... j'ai pas beaucoup de place là, moi. Hein. J'ai pas beaucoup de place. Si, si, j'ai assez de place. Hein. 5. 5. Je vais prendre les plumes qui sont là. C'est comme des feuilles, c'est joli. De toute façon, on verra pas. Je vais mettre le sentiment dessus. J'en fais bien du cinoche pour pas grand chose. Hein. Voilà, et puis ça, ce sera à l'intérieur par exemple. Voilà, une chute. Hop, je zancre. Bien sûr. Hein. Comme ceci. Hop. Voilà, voilà. Super. Mettre ça comme ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Vraiment bien. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien. Je vais juste... Je voudrais qu'on voit un petit peu plus de plumes. Alors, je vais tricher. Je veux qu'on voit un peu plus de plumes, oui. Adapter les dimensions des formes. Hein. Vous faites un rectangle, mais bon, vous... Ah, hein, voyez, vous... Voilà quoi, hein. Comprenez, mesure. Vous voyez ce que je fais au fait, hein? C'est cadré cette affaire là, hein? On disait que c'était cadré, hein? À la fin je cadre mon truc, vous savez, maintenant que j'ai bien fini. J'ai bien fini. Je vais mettre donc un sentiment là. Je le mets pour l'instant, je sais rien comment je le mets, mais je le mets. Alors je vais mettre en 3D là mon truc, bon, enfin pas en 3D, si, je crois qu'il m'en reste un petit peu là. Vous allez voir, ouais, c'est bon, il m'en reste. Je vais mettre mon sentiment comme ça en 3D. Hop. Et ça fait rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Comme ça, on voit la plume. Je suis assez contente. Voilà, c'est très joli. Oh, c'est magnifique. C'est très beau, hein, vraiment. Ensuite, je vais mettre le sentiment. Alors, le sentiment, qu'est-ce qu'on met? Je ne vais pas mettre Halloween, hein. Parce que ça va pas être Halloween toute l'année si je veux l'envoyer, je sais pas moi. Je vais mettre, j'en sais rien, je sais pas du tout. je ne sais pas. Peut-être là-dedans j'ai des trucs, non? Vous savez, c'est ces stickers-là que j'ai utilisés pour faire le thème automne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que j'ai des sentiments? Normalement, oui. Bah, tiens, j'ai des trucs noirs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Pff, ouais. Happy birthday. On peut mettre une carte, un truc happy birthday. Hein. On s'en fout, enfin, je veux dire... Hein? Et puis birthday, il y a bien des gens qui aiment les plumes, les trucs Halloween, les trucs macabres. Moi j'aime bien, moi. Ça fait très, comment on appelle ça, très, comment, alors vous dites que vous comprenez ce que je veux dire, ça fait très gothique, voilà, hein? Je suis sûre que quelqu'un de gothique, il aimerait ma carte, hein? Faudrait que je demande à, vous voyez, je suis sûre que ça lui plairait. Bon, c'est joli, hein? C'est hyper beau, hein? Dites donc, attention. Et là, je mets mon sentiment happy birthday. Allez, to you. To you, to you. To you, to you, to you. To you, 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 to you. Bye, 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 na, 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 na. C'est
ma génération aussi, ça. C'était génial. Et quand on était jeune, on le bougeait, notre fion, hein. On le bougeait, hein. On adorait, hein. Enfin, moi, perso, j'adorais. Danser, laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Tout l'été, laissez-moi danser. Tuesday, na-na-na-na-na-na-na, Monday, na-na-na-na-na-na-na, day after day, na-na-na-na-na. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances. J'ai toute la vie pour faire mon histoire, pour faire mon nanana à l'encre de me. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi chanter, danser en liberté. Ouais, tout l'été, laissez-moi danser. Tuesday, nani, 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 nani. Je regarde si j'ai des strass là, je suis partie, je suis là. Hein. Je pars. Oh tiens, regardez, j'ai des têtes de mort Halloween. Halloween, Halloween, tête de mort. C'est des têtes de mort mexicaines. Ça porte bonheur. Hein. La 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 la, Tuesday. Est-ce que je mets des strass? J'aurais voulu des strass couleur or. J'ai plus rien, j'ai rien. J'ai rien. N'importe quoi. Non, mais ils sont où? J'en ai plus, c'est vrai? Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh, j'en ai plein des têtes de mort. Oh, tête de mort, tête de mort. Tête de mort, tête de mort. Je me demande si c'est pas Pascal qui m'avait envoyé ça. À me dire, tu ne te souviens pas que c'est moi? À me disputer. Tiens, t'es une citrouille, tiens, là. Allez, hop, Halloween, Halloween. Halloween. Oh, j'en ai pas, j'ai rien. Je veux des ors, moi. J'en veux des ors, j'en veux des ors. Non, j'en ai plus, hein. J'en ai plus. Si, je dois en avoir quelque part, mais où quoi? Les loups-garous. Ça y est, une heure. Au bout d'une heure, c'est mort. Hein. Il faut que j'arrête. Au bout d'une heure, en général, je suis complètement disjonctée. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pire quoi. Ça se dégrade au fur et à mesure du temps quoi. Oh, il y en a du bleu là. Ah, mais le bleu de tes yeux quoi. Ça, hein, si je mets des bleus là. Ah, ça peut être sympa les bleus ciel là comme ça. Hein? Ouais, c'est... Tiens, je vais mettre des bleus parce qu'il y a pas mal de bleus là. Allez, je vais mettre des petits strass bleus. Bon, allez. Je voulais mettre du or pour faire un peu vintage, mais le bleu, ça sera bien. On disait que c'était bien. Quand on a que ça, on dit que c'est bien. Quand on a que l'amour à offrir en partage. La 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 la. Quand on a que l'amour. Il au carrefour. Tiens, il y a un de ces beans sur ma... Je vous dis pas le beans que j'ai sur mon bureau, comme d'hab. Hein. Allez, je mets des strass. Elle a pas dit qu'il fallait mettre des strass, mais moi, j'aime bien mettre des strass. Alors, on va mettre du bleu ciel comme ça. Hein, moi aussi, j'ai envie de mettre du bleu ciel, moi. J'en mets comme ça. Allez, hop, on fait ce qu'on veut. Je crois que sur mon autre carte, j'en ai mis aussi. Ah, viens ici, toi. Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore. C'est ça. Oui, je m'adore, ouais, tous les jours un peu plus fort. C'est joli le bleu, hein, ça rappelle... là, il y a du bleu sous le corbeau, du bleu sur la tête de mort, la plume, là, elle est un petit peu bleue et tout. C'est très, très joli. Hein. C'est magnifique. Hein. Il faut mettre des strass, même Halloween. Hein. Allez, hop, hop. Comme ça, et puis j'en mets une petite là, non? Non, non, juste là. Non, non, c'est tout. Allez, ça suffit. Tout ça pour trois strass, comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai rien oublié ? J'ai tout mis ? J'ai tout mis, j'ai tout mis. Alors, ma base, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma carte ? Qu'est-ce que t'es belle ? Quand tu scrapes comme ça. Qu'est-ce que t'es belle ? Quand tu scrapes avec moi. Le soleil est là, le soleil est jaillé de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras, dans mes bras. Mais je vais réveiller les morts hein, avec ma voix de... Hein, ma voix de... Regardez comme c'est beau. Je vais regarder comme c'est magnifique. Hein. Je suis tellement fière de ma carte. Hein.
Et je suis fière, je suis fière de ma carte. Et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière de ma carte. Amis, amis, abonnés, dites-moi que ma carte est belle. Dites-moi, oui, dites-moi, oui, dites-moi que ma carte est belle. Abonné, oui, abonné, oui, dites-moi que ma carte est belle. Abonné de la communauté, dites-moi que vous m'aimez. Que vous, nanana, que vous, nanana, que vous aimez mes cartes. Dites-moi, oui, dites-moi, oui. Je suis complètement folle. Et regardez, c'est Halloween. Oh, elle est trop belle, ma carte. J'ai le droit d'aimer ma carte, hein. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, je vais décorer avec, vous savez, la petite chute comme ça pour faire un petit rappel. Hein? Un petit rappel. Rappelez-moi. Rappelez-moi. Rappel la balayette. Hein? Un rappel et la balayette. C'est quoi? Ça n'a ni queue ni tête. Mais faut bien que je m'occupe parce que moi, je peux pas scraper comme ça en silence. Hein? Oui, si, je sais, il y en a plein qui... Je sais, il y en a plein qui veulent que je me taise. Mais vous coupez le son! Et vous coupez le son et vous remettez le son. Hein. Vous coupez le son. Hein, d'accord. Faites ça. Hein. Comme ça, vous n'entendez pas ma jolie voix de... C'est tellement une belle voix. Tellement une belle voix. Tellement... Je vais peut-être la coller en... juste là comme ça. Pas entièrement. Viens ici, toi. Pas... Pour pouvoir insérer des têtes de mort si je fais un cadeau de tête de mort à des copines. Des copines. Copines. Je vais offrir des têtes de mort. Hein. Quel beau cadeau, hein? Puis vous direz que vous êtes contente, hein? Je vais faire comme ça, moi, là, hein? Comme ça, là, je la mets un peu au milieu. Comme ça, là, hein? Pour équilibrer cette affaire. Hein? C'est tellement joli, ce que je fais. C'est tellement beau. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, hein? Regardez ma jolie carte, hein? Voilà, hop, hop! Et puis derrière, on écrit des choses, hein? Hein? On écrit des trucs, des machins, hein? Happy birthday! Bon, évidemment, si je vous l'envoie que c'est pas votre happy birthday, ben, c'est pas grave. Oh là là, vous l'enverrez à quelqu'un d'autre, hein? Passera, hein? Elle est très belle, hein. Ouais, très très belle, hein. Voilà. Et là, donc à l'intérieur, bon bah c'est parce que je voulais pas mettre la bouteille à l'envers, non? C'est une bouteille à la mer. Non, je voulais pas mettre la bouteille à l'envers. Mais bon, on aurait pu, hein. Et puis là, je mets des têtes de mort, hein. Têtes de mort, têtes de mort. Hein. On met des têtes de mort, comme ça, je les adore. En plus, elles sont trop belles. Têtes de mort, Halloween, citrouille, hein, citrouille, voilà. Voilà. Hop, et voilà. Et donc, oui, on disait qu'on était content, hein. Regardez, hop, hop. Et voilà. Oh, eh bien, 1 heure. Hein. Oh, il faut ça hein, pour faire une petite carte comme ça, très, 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 très détendante. Et alors, je vous montre celle que j'avais fait sur le thème de... Comment dirais-je? De... Parce que j'ai beaucoup aimé ce sketch. Hein. J'avais envie. J'avais envie, j'avais envie. Hein. Pour faire sur le thème de l'automne. Et ça, c'est tous les stickers qu'il y a à l'intérieur de ces machins-là. Hein. J'ai pris des stickers là-dedans. Hein. Voilà. Sur le thème de l'automne, et là, c'est pareil, il y a l'alphabet, je crois qu'il est là. Je vous montre hein, ce que j'ai utilisé pour faire celle-là. C'est exactement pareil, hein. Enfin, j'ai fait exactement le même principe. Hein. Je sais pas où sont l'alphabet, là. Vous savez, l'alphabet avec les lettres, j'en sais rien, je sais pas. Peut-être m'en suis encore servi pour autre chose, parce que je l'aime beaucoup. L'alphabet, là, très gothique, enfin, très, comment... Voilà, point. Bref, j'ai fait une pochette comme ça. Là, le tac comme ça avec le petit oiseau qui perd ses plumes. Voilà, là. Et puis le mot câlin, là, en travers, en haut, de haut en bas, câlin. Et puis là, bisous. J'ai pas pu mettre de S parce qu'il n'y avait pas assez de S. J'avais pas de place pour mettre le S. Non, je voulais pas que ça déborde. Et puis là, des citrouilles. Voilà. Il y avait des stickers sur le thème des citrouilles. Puis voilà, j'ai fait ça avec du vintage, là, comme ça aussi. J'aime bien le vintage. Et puis des strass couleur or, là, mais or. Et puis donc avec la chute, comme la chute là, il n'y avait pas spécialement de dessin à l'envers, à l'endroit, la bouteille là. Bon ben j'ai fait une pochette quoi. Hein. Et puis là, ça sera un ATC, vous voyez. Alors, elle n'est pas finie, bien sûr. C'était juste pour vous montrer. Hein, un tag, un ATC, ça fait des jolies petites cartes. Hein, c'te comment? C'te sketch. Hein, on peut faire plein de thèmes, quoi, c'est ça que je veux dire. Hein. Après, vous pouvez faire Noël, anniversaire, que sais-je, hein, que sais-je, que sais-je. Voilà. Voilà. Et là, j'avais pas du tout fait de fond, vous voyez, j'ai juste pris la base de craft, j'ai rien fait, j'ai laissé comme ça. Hein. Voilà.
Alors que là, on a fait un matage avec vous. Moi, je préfère celle que j'ai fait avec vous. Enfin, je sais pas. Les deux sont bien. Wow. Vous me direz celle que vous préférez. C'est pour ça. J'en fais deux. C'est pour que vous me disiez laquelle vous préférez. Voilà. Allez, je vous embrasse. Amusez-vous bien. Scrapez bien. Passez un bon Halloween. Un bon Halloween. Un bon Halloween. Hein. Nous, on se retrouve. On est quoi? Ah oui, non, demain. Alors là, bah, demain. Ah oui, je vous avais dit. Je vous l'ai dit, non? Je sais plus si je vous l'ai dit. Demain, c'est ni de la carterie, ni de l'albumerie, ni du loisir, enfin ni du, ni on, ni ni. C'est retombé pour faire un petit truc un peu sympa. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. J'espère que ça vous plaira. Hein. Vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis à demain. Bisous, bisous. Ciao.